le pied. Dans 800 mètres, ça devrait être bien. Pour arriver en bas. Ça descend trop. Vraiment de cintré, hein. Ouais. Appliquez-vous. Ça descend, ça descend. Vous tombez train. Bon, une partie un peu hard, là on vient juste de quitter les crêtes, c'est droit, après je vous prends un peu le parterre comment il est. Vous voyez, c'est que des trous, des touffes d'herbe en bosse. Comme ça, j'ai plus de frein. Et pas mal d'éboulis. Ah joli, parce que c'était hard, hein. C'est hard là-haut. Et bon, ben, repart pareil. Frein bloqué, moi. Comme prévu, deuxième partie un peu plus hard. Oh, je suis arrivé, ça va. Ils sont tous là. Ben, ils marchent tous, tiens. Là, il faut que ce soit flou. Ouh, mais c'est dur, hein. De Dieu. Doucement, tu vas trop vite, hein. Gaffe, hein. Ah, vivant, je suis vivant. Ah, punaise, à fond de freinage. Sur les deux roues bloquées dans vos chambres. Mais là, il y a un petit éboulis super. Ouais, Jacques qui arrive. Mais souffle même à la descente. Bien derrière la selle. Oh là, assis sur le pneu. On va là, au petit bec, au caillou, et on descend sur la cabane. Coucou Armel. Coucou. Oh, en plus il y a des petits carrés. Bonjour ma puce. On lâche pas le guidon, hein, tu nous en veux pas. Non, non, non. Un petit sourire, Biqué, peut-être. Alors, regroupement au caillou. Magnifique. C'est bon, tout le monde sent là. Et pas grand monde qui vient, parce que monter, là, tu verras, c'est... On descend cette crête, passe derrière, et on aboutit à la cabane. Et elle est par là. Et on prend ensuite le chemin qu'on devine là-bas au fond, qui rentre dans les bois en face. Voilà, tout le monde descend pour rejoindre la cabane. Je vais vous les montrer. Voilà, il y en a de partout. Marc a pris l'option droite de la coupe. Ça marche aussi. Voilà les petits loups. Faut que je les surveille, hein. Qu'on voit pas. On voit Armel tout là-bas au fond.